Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau combat versus abonné. Aujourd'hui j'affronte Zephyr et Psycho Quack. J'espère, enfin non, ouais, quoi qu'il en soit je sortirai Psycho Quack. Je fais pas une équipe avec Psycho Quack pour ne pas sortir Psycho Quack. Et donc là je vais le sortir face à Zephyr qui nous joue quoi, qu'est-ce que c'est? Allô maman, explique-moi, c'est quoi cette équipe? What? Kyurem tout court? Pas Kyurem blanc, pas Kyurem noir, Kyurem tout court. Avec Zekrom, donc deux des cinq plus mauvais légendaires. Ah, Zekrom, l'un des cinq plus mauvais légendaires, je sais pas. Lokpin, pourquoi pas? Lokpin, pourquoi pas? Korneb, bon, Korneb, j'aime beaucoup Korneb, vous savez peut-être, j'aime beaucoup Korneb, donc forcément ça fait plaisir de le voir. Lumineon. Alors je sais que ce truc a accès à vent arrière, ce truc à glissade, mais quand même, faut pas pousser, c'est pas grand chose. Et Cizayox, pourquoi pas, évidemment. Enfin, pour moi, il n'y a que 3 Pokémon viables dans son équipe, mais si je... Attends, je vais sortir Psycho Quack, le défi, ça va être de gagner avec Psycho Quack. Et on va voir si c'est possible ici. On va prendre Ténéfix, Psycho Quack. Parce qu'il me faut Ténéfix pour placer la gravité. J'ai que lui comme poseur de gravité, c'est le problème de mon équipe, d'ailleurs. Derrière, est-ce qu'on prend... Non. Je suis obligé de prendre Grondon contre cette équipe. Je suis bien obligé... Et derrière, ectoplasma ou farfaduvé, il y a la priorité sur Sifflerbe, donc il me faut clairement farfaduvé, je peux pas prendre ectoplasma ici, enfin, si j'avais voulu tryhard, j'aurais pas pris Psycho Quack et j'aurais pris ectoplasma à la place, mais bon, c'est plus pareil après, ça n'est plus du tout la même chose. Ça envoie le Lokpin et Kyurem en face. Kyurem tout court, je sais pas si Zephyr a oublié de le pointo ADN, je ne sais pas, je suis un petit peu vous m'envoyez un petit peu confus. Alors ici si on fait gravité ici, le plan ça va être de faire gravité encore, parce que Kyurem avec quoi il peut me tuer? Avec Draco Météor, mais c'est tout. Avec Blizzard il me tuera pas. C'est vrai qu'en plaçant gravité je l'aide à faire Blizzard. Est-ce qu'il tue mon Ténéfix si je fais Blizzard? C'est pas trop. Parce que si Mega évolue et qu'il bluffe Ténéfix, moi je le bloque sur bluff avec mon encore. S'il bluffe mon Psycho Quack, je place gravité, donc je suis content aussi. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il fait bluff. Ouais, le meilleur choix pour Psycho Quack, c'est de faire encore sur Lokpin. Ça, c'est clair et net, ça méga évolue Lokpin. Ok, donc c'est bien méga Lokpin et pas méga Cizayox. Très très bien. On va voir ce que ça donne. Et ça bluffe. Ça bluffe Ténéfix. Ah, le plan commence peut-être à fonctionner. Alors, est-ce qu'on meurt avec Ténéfix? Oui. Il n'y aura pas de gravité. Ça, c'est bien dommage. Bon, au moins, on bloque le pain sur bluff. Il est obligé de switch ici. Parce que sinon, il refait bluff. Ou alors, il peut se dire, bah, je me suicide, je reste. Ce serait un petit peu... risqué, évidemment. Ici, est-ce qu'on envoie Farfaduvé ou est-ce qu'on envoie Groudon? En fait, si j'envoie... Non, j'envoie Groudon, il faut que je dégage ce... Il faut absolument que je dégage ce... Ce Kyurem qui est vraiment gênant. Après, il fait Blizzard, et Blizzard, c'est pas précis, donc je peux me dire, oui, bah, de toute manière, il va me louper, mais bon. Enfin, faut essayer de faire en sorte que l'adversaire va... Enfin, faut essayer de gagner, même si l'adversaire réussit tous ses Blizzards. Ce qui me paraît impossible, malgré tout, hein, mais bon. Il faut quand même essayer de faire comme si c'était le cas. On va bien voir... Alors là, le soleil n'a aucune incidence, hein, avec le ciel gris de Psycho Quack, je préfère le préciser. Est-ce que Blizzard ça loupe sous le soleil? Non, c'est sous la tempête de sable seulement que ça a encore moins de précision. Ici, est-ce qu'on a vraiment envie de placer une danse lame? J'ai pas envie d'envoyer Farfaduvé. En fait, je peux me faire geler. Ouais, mais. Enfin, là, je pense à des trucs vraiment extrêmes. Ce qui est certain, c'est qu'on va faire. Qu'est-ce qui est le plus puissant entre Tomb Rush et. Il est plus rapide que moi, hein. Il a 95 de vitesse Kyurem, hein. Ouais. On va faire Tomb Rush sur Kyurem et ensuite on pourra le tuer avec la Pangéenne, il n'y a pas de souci avec ça. Et avec Psycho Quack, on va faire... Je ne sais pas trop, je vous avoue, on va faire quoi? On va faire Hydrocanon sur Lokpin, parce que je pense que ça va switch. Oh, il reste! D'accord, ok, pas pour moi. Et on... De HKO pas, mais la Pangéenne fait un tout petit peu plus de dégâts. Je pense que ça suffira à faire le KO. Psycho Quack évite l'attaque. J'aurais préféré que Groudon évite l'attaque, parce que Groudon il va prendre cher.
Et ouais, il va prendre très très cher. Oh non! Mais non! Je voulais juste voir l'animation de Psychoquack qui fait hydrocanon! Oh, t'as cassé tout mon délire! Mais non! S'il te plaît! On va faire hydrocanon sur la peau encore une fois. S'il te plaît! Ah, ça retire! Ça retire Kyurem ici. Pourquoi un Ebre peut-être? Ah non, pour Zekrom. Ouh! What? La lame pangéenne! Voyons! Mais pourquoi? Ah, peut-être un double switch ici, je ne sais pas. Mais pourquoi on voit Zekrom ici? C'est du suicide? Que fait Zephyr? On ne loupe personne. Incroyable. En même temps, comme j'ai pas pu placer ma gravité, ça devient forcément beaucoup plus compliqué. Et on tue pas Zekrom! On a fait un KO avec Psychoquack au Retail! Incroyable! On a fait un KO avec Psychoquack! Alors ici, j'ai très très peur d'un à la queue. Je pense que ce sympathique cornèbre va essayer de faire à la queue sur Groudon. Ou peut-être même tricherie. Ah ouais, tricherie, il sait qu'il est plus rapide, il me tue. S'il est max vitesse seulement. Si, parce que s'il l'est pas, voilà. Alors, on va faire abri. Est-ce que Clear Smog, ça suffit à dégommer Zekrom? À le finir, hein, évidemment, dégommer, hein, j'extrapole. J'ai tellement peur de louper Hydrocanon. Mais en même temps, je vais faire des non-dégâts. Avec Clear Smog, c'est 50 de puissance. C'est de la pure merde. Mais c'est neutre. C'est 50 de puissance. Et je peux pas louper. Oh, il lui reste 2 pixels. On va bien lui enlever ça quand même. Dis-moi que ça fait. Dis-moi que ça double focus Groudon. Dis-moi que ça double focus Groudon. Oui? Oui? Oh non! Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça changeait rien! Coup critique, bon, formidable. Ça changeait rien! Ah mais il se suicide! Oh merde, j'aurais pu faire tombe roche. Remarque, oui, mais en même temps, ça faisait une attaque dragon sur Groudon, je mourrais. Donc c'était la merde! Nécessairement, c'était la merde. Voilà, le problème, c'est que le Kyurem, il est plus rapide que mon Groudon. Et c'est bien dommage. Et ouais, parce que là, il n'y a même pas à faire à la queue, en fait. Là, il va vouloir faire... Je pense qu'il la provoque, hein, Cornèbre. Il va vouloir provoquer mon Farfadet UV, pour pas que je puisse l'emmerder plus longtemps. Est-ce qu'on attaque avec Groudon? Là, ça va se jouer. Est-ce que mon adversaire fait abri ou pas? C'est compliqué, là. De toute façon, si je fais tombe roche... Je le tue pas, il faut que je fasse lame pangéenne. Ça c'est clair. Par contre. Ah mais non, je peux faire un truc, ouais. Je peux faire. Ouais, mais si ça fait provoque. Je peux faire vent arrière, mais derrière il a à la queue, donc ça change rien. Si je fais lame pangéenne, il faut que je protège mon Groudon en faisant sifflerbe. J'ai que 55% de chance de le réussir. Ça c'est quand même pas beaucoup. Ça fait abri provoque, j'ai perdu. Oh, oui! Oui! Oh, à la queue? On s'en fout! Ah, ce Kyurem n'est donc pas plus rapide que mon Groudon, j'imagine. Il dort forcément. Ne loupe pas l'âme pangéenne. Si tu le tues pas, c'est pas grave, mais loupe pas. Oh, oh, oh. Alors je sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Tombe roche. Il vient de faire à la queue, on va lui faire encore. On va le bloquer sur à la queue. On va le bloquer sur à la queue. Eh oui, il est obligé de faire ça. Il est obligé. Quoi? Cornèbre herbe mentale. Comment ça? Mais d'où il joue ni l'évolurock ni la ceinture force? Qui fait ça? Il a pas l'évolurock, je le tue pas. What? Ah, je comprends rien à ce qui m'arrive là. What the fuck? Bah il fait buée noire. Non, j'ai envie de tenter. Oh là là, ça passe.
n'est pas sous la gravité et je réussis si flair. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? C'est n'importe quoi. Oh putain. J'ai gagné avec Psycho Quack, mon gars. Je l'ai fait. Et ouais, mon gars. J'ai gagné avec Psycho Quack. J'ai Zephyr. Zephyr qui nous a sorti une team particulièrement what the fuck. Mais ça me dérange pas. Celui qu'on va s'abonner, c'est le folklore évidemment du VGC 2016. On n'a pas vu Luminéon, c'est pas grave. Mais waouh. Ce combat. Ce combat. On a fait un KO avec Psycho Quack, je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, on a fait un KO avec Psycho Quack. Hydrocanon. On a fait Hydrocanon sur Lockpin. Attends, c'est comme ça qu'on l'a tué ou pas? Ouais, c'est comme ça qu'on l'a tué. Je crois, hein. Putain, je sais plus. Mais ouais, hein. Je sais plus, putain. Enfin, bref, on a gagné avec la team Psycho Quack, et ça c'est formidable. Et du coup, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour le prochain qu'on va versus abonné avec une équipe toujours plus what the fuck. Salut tout le monde.